s'appelle les popettes. C'est quoi ça? C'est le bal des finissants. Ouais, c'est ça. Et pour les élèves de terminale. Donc on voulait aussi partir, comme nos copains sont là-bas. Nous aussi, on voulait aller comme ça. Faire... Vous êtes fous quoi? Hein? Vous avez la bouillie à la place de la cervelle? Non mais c'est pas possible. Toi, ce bombe-là, ça fait 3 ans que tu es finissant. Quand est-ce que tu vas te décider à finir finalement? On vous envoie à l'école pour devenir des grandes personnes. Et vous venez jeter l'opprobre sur ma famille. Ça ne se passera pas comme ça. Pas ici. Tu t'es cherché quand tu dis. Ne me refais plus jamais ça. Plus jamais, jamais. Promis, je vais. Croix de bois, croix de fer. Si je fais ça, je mange, je vais en enfer. Croix de bois, croix de kim. J'espère que tu as mon truc. Oui, justement, c'est pour ça que je suis venue. Non, il n'y a pas de société de ce type. C'est un peu ça. Jeune fille, non. Si en 2 heures de temps tu n'as plus rien écrit, ce n'est pas maintenant que tu seras inspiré. Je suis phase, mademoiselle. Non, même pas un mot, un tout petit. Alors, mademoiselle, sois indigente pour mon frère. C'est tout seul, je vous supplie. Je vous le jure, pardon. Bon, ok, je comprends. Voilà, je serai comme la Cindy avec moi à la correction. Je veux le jouer. Je veux insister tellement au connaissant. Faites ma confiance. C'est ce que je veux dire. Asugou, mademoiselle. Lève-toi. Tu me fais chier! Tinka. Hey. Moulin, 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 moulin.
encore risqué pour madame dans le même compte. Non, merci, ça va aller. Il faut que je parle. Tu pars déjà? On se voit quand, chérie? Au téléphone. Au téléphone? Sérieux? Ok, d'accord. Monsieur le colonel, merci beaucoup. Vous êtes très gentil. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Ça a été un plaisir pour moi, madame. Monsieur Dinka, vous savez du quoi? Ah, je viens de le sauver d'une énième bastonnade. Ah oui, oui, oui. Voilà. Comme quand tu veux impressionner les filles ici, tu commences à m'appeler petit, nous recommençons plus. Vous voyez? Ah, tu n'as rien compris. Hein? C'était de la poudre dans les yeux. Ça n'a pas marché. Ouais, c'est... Alors, tu reviens de loin? Oui, ah, il est fort, hein? Ah, un stratège, un créateur, trop fort! Oui. Oui, 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 oui. Moi-même, je suis dans la même situation. Oui, j'ai une situation très désastreuse chez moi. Ça ne va pas avec vous? Pas du tout. Pas du tout. Depuis que mon salaire a été suspendu. Ton salaire a été suspendu? Remets. Non, ton agent est là. Ne t'en fais pas, c'est là. Je vous l'ai dit que depuis qu'on a suspendu mes indemnités, c'est la catastrophe à la maison. Ma femme me méprise. Ah, l'argent. Toujours l'argent. Je suis marié avec Elo depuis plus de 20 ans. Et nous étions heureux au début. Lorsque je rentrais du travail, j'étais accueilli par ma petite fille. Ma fille me courait, me disait, papa, papa, prends-moi dans tes bras. Et ma femme pouvait me baiser. Mais depuis que je ne travaille plus, ma petite fille me couvre de baisers et ma femme crie dessus. Mais en réalité, tu ne devrais pas te plaindre, cher ami. Tu as toujours les mêmes services, les prix et les baisers. Mais toi, tout seul. Tu nulle part. Je suis Nietzsche, le philosophe. Et toi, mets-moi ce fou dehors. Maniaka, qu'est-ce que tu fais ici? Nietzsche, va Maniaka. Excusez-moi, ne prêtez pas attention à ce qu'il dit. Il change de nom à longueur de vie. Eh bien, monsieur Nietzsche, pour aujourd'hui, si tu déranges encore mes clients, je te fous à la porte. Monsieur Dinka, le colonel, excusez-le, c'est mon cousin Maniaka. Il n'est pas méchant. C'est plaisant, mais je trouve que ton fou philosophe là, moi je trouve qu'il a raison. Comment ça? Ah, c'est vrai. Il raconte des bobards. Non, tu sais. La bonne femme, ce n'est pas celle qui, lorsque tu es malade, vient à l'hôpital te poser ses problèmes de greffe brésilienne et autres. Non, c'est celle qui vient te dire, chérie, est-ce que je peux te trouver un peu d'argent pour payer les frais? Oui, c'est celle qui te demande, chérie, est-ce que tu peux avoir encore un peu de force pour Zala? Si la tienne ne te demande pas, salon, vire-la. Oui. Si ta femme n'est pas comme ça, dis-la. Ce que ce n'est plus ta femme. Pour que je te dise, tu es nouille comme pote. Sama, l'autre jour, quand j'ai su que c'était des policiers en civil, j'ai sérieusement eu peur. Mais c'est lui-même qui l'a cherché. Oser s'attaquer à plus fort que toi. Ah,
pas n'importe qui, au président de la République. Ah, c'est là où il a alors appuyé sur déranger. Il faut l'appeler. Ça fait 2 jours qu'il ne vient pas au travail. Il est peut-être malade. Ah, il n'a qu'à mourir. Il n'a vraiment qu'à mourir avec ces histoires d'intégrité morale. Faut pas être si dur, mon chou. Comment tu m'as appelé? Ce n'est pas ce que tu crois, Samba. Je voulais juste te dire que ce n'est pas gentil de souhaiter la mort au boss. J'ai l'impression qu'après le passage des policiers, il a quitté le pays. Ben, c'est tant mieux pour nous. Comme ça, nous, on va s'installer tranquillement. D'ailleurs, il nous embête avec ses grands heures. D'incorrompu. Incorruptible. Voilà. Ouais, s'il joue au dur, tout le monde n'est pas comme lui. Comment? Samba, moi je dois finir ma vie là. Ah non. Ah. Il faut appeler à peine. Mais tu as quand même raison, hein. Il faut que je l'appelle. Pas envie de répondre. Si tu vois un homme qui refusait de décrocher son téléphone, c'est que c'est un malhonnête. Toi, le fou, tu la boucles. La sagesse est la plus grande folie. Seuls les fous traitent les sages de fous. S'il vous plaît, je vous ai déjà dit de ne pas vous préoccuper de lui. Maniaka, laisse mes clients tranquilles. Hein? Mais nounou, mais un caloué, mais bon, ouais, béba, on aurait. Bon qui? Bon qui? Un homme averti en vos deux. Ah, dis donc. Je vais te faire très mal. Ça commence à ne pas ça. Ça sonne, mais bon, personne ne prend. Allô? Ma jolie Dora chérie, ça va? Oui, patron. Ça va là-bas au bureau? Tout le monde va bien. Et vous-même? Ah, je vais bien, je vais bien. Ils sont encore revenus. Qui ça? Les policiers? Oui, oui. Allô. Ici la brigade de recherche de la police nationale. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez vous présenter au poste de police le plus proche pour exécution. Allô? Allô? C'est comment? Il a raccroché. Samba, tu es inspiré d'elle. Il a la bouche. Tu as effrayé nos postes. Ouais. Maintenant que le poste est écarté, on va gérer comment? Gérer quoi? Comment gérer quoi?
Désormais, c'est moi le nouveau boss. Et toi, tu es ma secrétaire. Ah non. Ici, maintenant, c'est moi la nouvelle boss. Il n'y a pas de boss au féminin. C'est moi le nouveau boss et toi, tu es la secrétaire. Au point, c'est tout. Non, ça ne peut pas aller. J'ai fréquenté plus que toi. Ah. Tu ne peux pas me commander. Dora, le diplôme ne fait pas le chef. Le diplôme ne fait pas le chef. Je suis bien plus meilleur gestionnaire que toi. Hein? Je suis plus futé que toi. Hein? La preuve, c'est que c'est moi qui viens de pousser le boss à la démission. Et c'est moi qui te convainc à l'appeler. Tu vois, j'avais déjà commencé à donner des ordres. Bon, Dora. Dis-moi, pourquoi on se dispute même? Tu ne vois pas que toi, c'est moi et moi, c'est toi. Pardon, passe ta route, tu n'es pas mon genre. Ah bon, je ne suis pas ton genre. C'est le boss qui est ton genre. Et lui, il est là, il ne te voit même pas. Hein? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Dora. C'est moi ton nouveau boss. Tu dois me respecter. Et de sur quoi tu dois m'aimer. Dans tous les cas, pour le bien de tous. Oui. Voilà ce qu'on va faire. Oui. Un jour, je suis le chef. Oui. L'autre jour, je suis la boss. Ça te va? Oh, là, au moins ça peut aller. Hein? Tu n'es pas bien. Bon, écoute, va t'asseoir et mets-toi au travail. Concept. Notre émission se veut le refuge des voix dissidentes. Notre programme passe sur plusieurs chaînes de radio et de télévision publique, ou sur des radios associatives, ou encore sur le réseau de télévision publique à but non lucratif, PBS. Mais on n'est pas là pour soigner notre... Je croyais que je n'allais pas arriver. On est là pour faire entendre les voix de personnes du monde entier. Je suis quand même un vieux sage. La qualité que Bidima m'a indiquée là, si je n'étais pas moi-même, personne ne pouvait arriver. Mais vous débarquez chez des gens comme ça, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Et qui?
Le problème, c'est que la plupart des grands donc, tu ne me reconnais pas. Des entreprises. Ils ont des comptes à rendre tu es Paul Biya. À leurs actionnaires et à leurs annonceurs. Alors qu'un journaliste indépendant Véro, tu me fais rire. Travaille avec sa conscience et donc ce n'est que Paul Biya que tu reconnais. C'est un oiseau. Bien sûr, il est le président de la République. Considération commerciale. En plus, il connaît mon nom. Véro. Ici aux États-Unis, on n'a pas de médias contrôlés par l'État. Mais si c'était le cas, en quoi la situation serait. C'est moi son nom, SOW. C'est possible de critiquer Fox, mais CNN ou le New York Times, ce n'est pas mieux. C'est pour qui ça qu'on a besoin d'un journalisme indépendant. Je suis ton mari. Il nous faut un média qui puisse affronter les grandes sociétés. Un sujet monsieur, sortez de là. Sortez. Ne me touche pas. Un reportage sur le changement climatique ne peut pas être du tout en partenariat avec une compagnie de l'industrie du pétrole. Tapez qui une émission sur la santé chez ne moi. Peut pas être parrainé. Ça ne va pas dans ta tête là. Pharmaceutique. On a besoin d'un si c'est chez moi et non chez toi. C'est la seule manière de préserver. Tu sais comment on met un papa à terre. Tu ne me connais pas, hein. Les médias ont une attitude. Si tu me fous dehors, tu vas voir ce que mon frère va te faire. Leur seul souci, c'est de gagner de l'argent. Toi. Et ce qui rapporte à l'heure actuelle. Le frère de mon mari. De parler de vérité sociale. Suivre quelqu'un qui vit des allocations. Un crasseux comme ça là. Alors que Kim Kardashian se ramasse dans une flaque d'eau à Central Park, c'est bon ça. Comment vous les femmes faites même les choses comme ça? On se marie à Florence ce week-end, dans un château qu'ils ont. Quelqu'un peut t'expliquer quelque chose? Toi, tu t'énerves? Laisse-moi que je t'explique. CNN à Florence en Italie. Ok. Madame la députée, je t'écoute. De vous interrompre un instant. Voilà. Qui es-tu au juste? Justin Bieber vient d'être arrêté à Miami. Moi. Votre fils a combattu en je Irak. Suis SOW. Je suis le fils de la dynastie SOW Gounda, de l'oncle, du frère, de la mère de ton mari. Moi, je vais se mettre mon rôle au coin, mais je n'ai encore pas là-bas. Il n'y a pas de problème. Allons-y tout de suite. Je croyais qu'on allait dans le bureau de ton père. Oui, c'est son deuxième bureau. Quand il sort du travail, il s'arrête d'abord ici. Hey, c'est quoi ça? Monsieur, ce n'est pas un SOW ici. Il est sorti. Hey, ne me touche pas. Tu m'appelles sa femme. Ton mari rentre à la maison après une rude journée de travail. Au lieu de l'installer, de lui enlever les chaussures. Voilà. Hein? Toi, tu t'en fous. Tu regardes les séries. Et après, quand une femme va te l'arracher, tu vas pleurer. C'est quoi ça? C'est ta facture. Tu me dois 12 500. Il faut remettre ça. Je n'ai pas dit. Toi tu la fermes. C'est mon problème. C'est aussi mon problème. S'il ne paye pas cette facture, on va manger quoi à la maison? Quel argent? Quel argent? Hein? Tu ne me connais pas, hein? Je vais d'abord. Tu ne me connais pas. Je vais te taper très mal. Hein? Je dis, mon frère, donne-moi mon argent tout de suite. Sinon, je vais te faire très mal. Attends. Je dis, donc. C'est sérieux comme ça. Attends. Donne-moi mon argent. Pardon, mon frère. Pardon. Tu sais, attends, je vais t'expliquer. J'attends que Ndjinka me donne l'argent. Dès que Ndjinka me donne l'argent, je te paye. Ou alors, attends. Quand je vais rentrer au village, je vais t'envoyer ton argent. Mon fils, pardon. Tu sais quoi? À moins que. Ok. Laisse-moi la chèvre aussi. Attends. Ça, c'est la chèvre de Ndjinka. Tu me racontes quoi? Attends. Prends-moi la chèvre. Prends-moi ça. Un cadavre aurait-il peur du cercueil? Un homme bon aurait-il peur du méchant?
un peureux, craint-il le courageux? Aimer est-il synonyme de craindre? Il n'y a que les méchants pour transformer les bons. Il n'y a que les méchants pour transformer les bons. Dinka, haha.